Ça me dépasse vraiment. Bon, après, je dis ça, mais à la fac, on codait sur feuille. On écrivait notre code sur des feuilles. Puis c'est le prof qui vérifiait. Ben, tu vois, il corrigeait l'exercice au tableau et puis on vérifiait est-ce qu'on avait écrit la même chose. Ouais, ça. C'était particulier. En fait, c'était genre. Moi, j'arrive à les spawn, mais ça avance pas. C'était genre. Bah. Vu que tu fais l'exercice pendant que t'es à la fac, et puis chez toi, tu recopies ton code. De ton côté, le soir. Pour vérifier que ça marche bien. Quand tu fais deux fois le taf, quoi. En fait, c'était plus pour éviter les problèmes de configuration logicielle. C'était... Ouais, parce que, enfin, bah, tu... T'as dû entendre parler, hein, que forcément, configurer tout ton setup... Tu peux toujours avoir des erreurs bizarres. Et il voulait pas que ce soit ça qui bloque pour coder. Ouais. Peut-être un jour aussi, il faudra apprendre à préparer mon setup, non? Non? D'accord. Non, c'est pas limite. Du coup, c'est le choice. Je vais dans le choix. Mais pourquoi ça m'a... Pourquoi ça n'a rien fait ça? Est-ce que c'est appelé? Qu'est-ce que ça appelle ça? Après, ouais, c'était pas les machines de guerre, les machines de la fac. J'aime le mot. Alors là. Là, j'ai pas suivi. Contrôleur, choice. Toc. Ah bah oui, je laisse. Ah! J'aime le mot aussi. Littéralement, le mot aussi. Ok.
Chess contrôleur. Qu'est-ce qu'ils appellent eux? Ouais, ils appellent ça. Une chose... Ah oui, c'est qui? Oui. Start contrôleur. Mais c'est. Ah si, si. Allez, je... ouais, non. Donc ouais, j'avais mal appelé, je court-circuitais mes appels. Donc en fait c'est lui, il va appeler ennemi chose, ça c'était. Et où? Juste contre ennemi chose. Ah mais oui, c'est vrai. Je... Voilà, je me rappelle. Quel idiot. Voilà, c'est ici. C'est ça que c'est censé faire. Et Alaishozen, qui est dans l'autre classe. C'est... Je suis pas très bon pour écrire des histoires en fait. Et il y a le souci financier. En fait, si je veux faire des jeux à histoire, il faut que je bosse avec quelqu'un qui m'écrit les histoires. En fait, c'est surtout pour le dialogue. Parce qu'avoir des idées comme ça qui peuvent se passer, c'est pas mal. Enfin. Mais avoir... Enfin, réussir à créer une ambiance, etc. Ça demande de la bouteille, quoi. Enfin, c'est... Ça... Je sais pas l'expérience du tout. Et il faut aussi que visuellement, ça colle avec... Donc en fait, si tu fais une histoire, il faut aussi peut-être un peu l'animer. Et du coup, ça coûte plus d'argent, de temps, de animation, graphisme. Parce que moi je suis vraiment une bille en graphisme quoi. C'est y a pas de. Y a vraiment pas de discussion, je suis nul. Mais sur le principe, ça rajoute au jeu et je trouve que c'est toujours bon. C'est pour ça que j'en ai mis un peu à la fin. Je suis resté très, très sobre. Et d'ailleurs, pour le DLC, bah, je vais rien dire. Mais malgré tout, il y a une chose que je veux dire, c'est comme j'ai fait ce chroma, en sachant que je voulais rajouter du contenu, je veux toujours qu'il y ait une fin réelle à mes jeux. Tu vois, c'est, il se passe quelque chose. Enfin, il y a ce sentiment d'avoir fini le jeu. Il y a d'autres choses à faire, tu vois, les quêtes plus, genre finir à 100% le jeu, c'est autre chose, mais tu peux juste faire le jeu en ayant passé des niveaux et faire le dernier niveau et avoir fini le jeu et avoir l'impression d'avoir fini ce chroma. Et en tant que joueur, je trouve ça important d'avoir ce feeling d'avoir fini le jeu. J'aime bien avoir l'impression d'avoir fini le jeu. Même si j'ai pas fini à 100%, finir à 100%, c'est encore autre chose, quoi. Après, je crois que toi, tu t'avais fini genre à 100% direct, je pense. Vu ton profil de joueur, de ce que j'ai compris. Je peux me tromper. Ça bouge pas. Donc là, ici.
dans mon state stop. Je l'avais déjà. Quel âne. Voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont. Mais j'ai vu des streamers du coup faire le jeu en passant des niveaux, arriver à la fin et puis être content d'avoir fini le jeu et pas faire à 100% et c'était cool quoi. Sort de là et on fait pas du tout ce que je voulais. Est-ce que vous allez... Ok, voilà, hop. Après, en plus, en général, dans les jeux, et je fais pas les jeux à histoire, enfin, c'est pas. J'aime bien quand ça rajoute au gameplay, mais genre Triangle Stratégie, je le lancerai pas, quoi. Il y a trop de... En fait, c'est... J'avais essayé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jeu à grosse histoire, j'avais essayé Octopath. Et en fait, ça m'a gonflé. En fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de... C'est trop de blabla. C'est noyé dans... J'ai l'impression que les personnages se répètent. Même si l'histoire, elle peut être intéressante derrière. Et... Je m'ennuie quoi. Simplement.